Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc comme tu peux le constater, on va encore parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà encore un chapeau pour cette organisation. Oh là là, le stade, les terrains sont absolument magnifiques. Là aujourd'hui, c'était le tout premier match du Sénégal face au Zimbabwe. Et je ne vais pas vous mentir. Nous, comme les Sénégalais, on pensait que là, la victoire du Sénégal, elle allait être écrasante. Moi, je pensais qu'ils allaient attraper les Zimbabwéens, ils allaient leur mettre des fessées, leur dire de ramasser leurs chaussures, leur dire de nettoyer les vestiaires, leur faire faire le tour des terrains, leur dire au sol, debout. Mais non, c'était chaud pour vous, les Sénégalais. Hein? Moi, je pensais que vous alliez tous les cuisiner. Je pensais qu'il allait avoir du tchèp, du poisson, tu vois ce que je veux dire, des spécialités locales que vous allez importer directement au Cameroun, fait à l'aide des Zimbabwéens. Mais non, les Zimbabwéens, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Oh, ils ont joué dur. Ah ouais. Et là, on a pu voir que les Sénégalais, ils avaient des limites physiquement. Et on ne va pas se mentir, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas en train de me moquer parce que la plupart des joueurs du Sénégal jouent en Europe. Et là, en Europe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en plein hiver. Et là, tous les joueurs pratiquement du Sénégal, ils ont dû subir des températures parfois en dessous de zéro. Et là, maintenant, ils se retrouvent au Cameroun à plus de 30 degrés. On ne va pas se mentir qu'au niveau des poumons, ce n'est pas pareil. Et là, on a pu le voir. Tu n'as pas vu comment ils étaient tous en train de chercher un petit peu d'humidité dans leur bouche? On dirait qu'ils étaient en train de communiquer en signe, tu vois? Mais non. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient plus de salive, ils n'avaient plus le moyen de s'hydrater. T'as pas vu comment ils transpiraient comme du n'importe quoi? Hein? Ils faisaient comme ça. On dirait qu'ils voulaient tous embrasser les Sénégalais. Écoutez, concentrez-vous, commencez à boire de l'eau de manière anormale. Buvez-en plus que vous en buviez là-bas, là, en Europe. Là, vous êtes en Afrique, c'est plus les températures qu'il y a en Europe. Donc, il faut commencer à bien s'hydrater. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Là, je vous parle de la science. C'est scientifique ce que je suis en train de te raconter. Parce que si vous continuez comme ça, là, il n'y aura pas des pénalties tout le temps à la fin des matchs hein, pour venir vous sauver la mise. Hein? Il n'y aura pas ça. Commencez à vous concentrer. Entraînez-vous sérieusement. Parce que Keita Baldé, là, comment t'étais fatigué? Ah non. Là, ça non. Là, franchement, nous, on t'attend à un niveau. Là, aujourd'hui, comment t'étais fatigué? Non. En tout cas, le match était très serré. On ne va pas se mentir. Les Zimbabwéens ont eu quelques petites occasions. Ils ont un petit peu fait trembler le Sénégal. Même si le Sénégal aurait pu tuer le match en mettant un petit 2-0 ou 3-0, ils ne l'ont pas fait parce que je pense qu'ils ne sont pas encore lucides. Moi, j'attends encore le deuxième, troisième match avant de commencer à bien vous clasher les Sénégalais. Parce que vous êtes là, ouais, on a sorti les plus grands nombres de joueurs, blablabla. Oh, normalement, c'est nous, nanani. Mais vous êtes comme nous, les Maliens. Hein? Nous aussi, on a sorti plein de joueurs. On a fait ci, on a fait ça. Mais en termes de coupe, on est absent. Tu comprends? Hein? Sénégalais, Mali, c'est la même chose. Tu sais. Tu le sais, t'as beau te moquer de moi parce que tu dis « Ouais, c'est un Malien, il met des bananes dans son tchèb. » Tu peux dire tout ce que tu veux, t'as pas de coupe. Tu peux dire tout ce que tu veux. « Ouais, l'autre, il est meilleur buteur. Ouais, l'autre, il a mis plein de buts en Europe. Ouais. » Vous n'avez pas de coupe. Vous êtes comme nous. On n'a pas de coupe. Hein? Donc, là, pour l'instant, faites la fête. « Why Samandei, Nangefi ?» Faites tout ce que vous voulez, mais attention, très attention.